Bonjour et bienvenue sur la chaîne Papy Gamer. Nous nous retrouvons pour la fin de la partie commencée au Japon, partie engagée avec des membres de l'Alliance Les Francophones. Et nous arrivons maintenant au jour 48. Nous sommes donc sur la fin de la partie. Il ne reste plus qu'une alliance qui nous est opposée, une alliance forte composée de la Finlande, de la Norvège, de l'Arabie Saoudite qui maintenant est out, et donc du Venezuela. Et pour l'instant, nous avions commencé la dernière vidéo à entrer dans les villes-patries de la Finlande, Dinosaur Shrek, qui était le joueur le plus fort, que nous avons, avec la Chine et avec Stereo King, commencé d'entrer dans les villes-patries. Moi, je m'occupe ici du nord à Oulu. Il y a encore des bases de fort niveau, puisqu'il y a une caserne niveau 5. Il y en a encore une ici, caserne niveau 5. Mais il n'y a plus de troupes dans les villes. Et ici, nous sommes donc du côté du Mexique, et en réalité, les territoires sont pris par le Venezuela, qui est donc la dernière puissance. J'ai pu débarquer avec des troupes au sol. Alors, j'ai pas grand-chose, essentiellement des anti-aériens, une unité qui me permet, avec mon artillerie, de tirer de loin. Et je prends les villes, je laisse dedans une personne pour pas que ce soit pris par les insurgés. Je vide ce qu'il y a dans les villes, ce qui ne sert à rien, et j'avance. O'David a envoyé un drone, ce qui me permet de voir qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais ici m'occuper de l'Amérique du Sud pour me diriger vers le Venezuela. En ce qui concerne David, il est parti, lui, sur les USA. Donc, il va affaiblir le Venezuela. La Finlande est descendue dans le classement. Il ne reste plus que Theo Holver du Venezuela, qui est à rang 31. Le pauvre, c'est qu'il est tout seul maintenant contre nous. Donc, on a O'David qui arrive ici avec ses forces navales pour pilonner les côtes du Venezuela. La Chine arrive également, puisque maintenant, du côté de l'Europe et du côté de l'Afrique, c'est stabilisé. Et on va donc, voilà, la ville là, port niveau 4, qui reste encore problématique, avec potentiellement des forces navales importantes si on a un port niveau 3. Ici, un port niveau 3. Ah, là, il y a un aéroport niveau 5, avec des bombardiers de fort rayon d'action potentiellement. Alors moi je suis là, j'arrive, et bien écoutez, on va commencer à tirer, histoire de démonter tout ce qu'il y a dans les pays. Alors, voyez mon rayon d'action. Je ne peux encore pas aller à Valencia, Caracas, etc. Mais on va... Alors, on va en lancer qu'un. Vous savez, j'en lance toujours un seul au début. Ça me permet de voir s'il y a des défenses antimissiles. Quand on en lance plusieurs et qu'il y a un gros paquet de défenses antimissiles, bah on perd tous ces missiles pour rien. Donc je préfère les lancer un par un. Je vais voir ceux qui passent, ceux qui ne passent pas. Et puis après, en fonction des résultats, ça me permettra de tirer d'autres missiles. Donc là, ça permet de détruire non seulement les bâtiments, mais également des troupes qui s'y trouveraient. Je ne sais pas si le Venezuela a laissé des troupes dans ses villes-patries ou si elles sont en Amérique. Jour 49, 9h du matin, nous continuons d'avancer tranquillement. On va séparer nos unités. On continue de reprendre. Alors à chaque fois, on me demande de faire la paix, on me laisse passer. Évidemment, nous, le but c'est de gagner. On n'est qu'à 2370 points, il nous manque encore beaucoup de points. Donc on est obligé d'entrer en guerre et de récupérer les points liés à l'occupation des provinces. J'ai toujours ici mes gros stacks qui me permettent de me défendre et de pallier à toute difficulté éventuelle ou situation surprise. Et on continue de monter.
On a traversé la Finlande, on se trouve maintenant donc de la Norvège, dernier pays avec le Venezuela sans doute encore en vie, qui risque potentiellement de nous poser problème. Donc on arrive là par le nord et on va prendre les différentes villes les unes après les autres. J'espère sans trop de surprises. Donc moi je passe par là, vous voyez la Chine arrive elle par les côtes ici, par l'Ouléa. La Finlande n'existe plus. Alors encore une fois, il faut toujours se méfier, hein, il peut toujours y avoir des territoires éloignés qui comportent des troupes. Alors 10 h du matin, les troupes se rapprochent. Là vous voyez j'ai tiré et ça a fait beaucoup de dégâts. On a détruit des bâtiments. On va continuer de s'avancer. La portée des missiles, c'est quand même très très important, parce que je suis très loin. Je suis à la fois en train de protéger mon débarquement sur les anciennes côtes du Mexique, et en même temps, je peux tirer, vous voyez, très très loin, puisque je peux venir maintenant jusqu'à Valencia. Il suffit juste que je m'avance un petit peu. Alors voilà, à chaque fois, ça me coûte 2 ogives. Vous voyez, j'en ai 56. Ça aussi, c'est important, toujours, quand on veut se lancer dans une guerre avec des missiles, toujours prévoir suffisamment d'ogives. Là, on va finir, parce que là, il y a encore le port qu'il faut qu'on finisse de détruire complètement pour éviter toute surprise. Et là, vous voyez, on tire, on a envoyé, il y a des dommages. On attaque. Alors là, ça défend un petit peu. Port niveau 4 est quasiment fini. Base militaire est un petit peu endommagée, donc déjà, ça lui empêche de faire des troupes de niveau 5, puisqu'il est à niveau 4, quelque chose. Donc, il n'est pas encore au niveau 5, donc s'il avait prévu de faire des grosses troupes fortes, là, il ne peut plus. Ça permet aussi de détruire les bâtiments de ressources. Et là, on a les troupes de Haut-David qui sont positionnées avec ses drones. Et il va pouvoir ici commencer à envahir. Vous voyez, on a ici des bataillons anti-aériens, le Venezuela. Donc, vous voyez, ils tirent contre d'éventuels missiles qui arrivent. Donc, si je les envoie un par un, je vais me faire détruire. Tout ça, c'est détruit. Je fais des missiles plus puissants, missiles balistiques. Point de vie 17, oui, parce que si j'ai moins de points de vie, évidemment, quand mes missiles passent dans le champ des défenses antimissiles, je fais détruire. Là, oui, il passe à 19. Et on continue d'avancer. Alors là, j'ai pas assez d'infanterie pour les laisser dans chaque pays, alors c'est pas grave. Là, on va juste faire un gain de terrain, on va lui prendre toutes ses villes. Si c'est repris par les insurgés, c'est pas grave. Le but, c'est que ce soit plus propriété du Venezuela. Donc, on va commencer à débarquer ici. Voilà, j'ai rapproché, nous sommes 50, hein. Je rapproche. Troupes, je les mets près des côtes pour que je puisse pilonner avec mes canons. Voyez, là c'est pilonné de partout. Et il n'y a maintenant plus rien à Maracaibo. Voilà, tout est un petit peu endommagé. Et les ressources sont passées au niveau 1. Voilà, et là maintenant il y a la Chine là-bas qui attaque. Par Guyana City, venir ici à Bolivar par la suite. C'est là où il y a encore une fois l'aéroport niveau 5 et potentiellement des bombardiers. Nous arrivons ici au bout de la Norvège, donc il y a encore quelques troupes.
Donc on va détruire ça avec nos lance-roquettes mobiles. Qu'est-ce qui reste? Oh, il n'y a plus grand-chose. Juste véhicule de combat blindé, véhicule de reconnaissance. On va faire le vide. Et on va petit à petit prendre les villes patries de la Norvège. On a ici des troupes, donc je vais les attaquer, je les attaque en corps à corps. Donc là, je vais être un peu peut-être juste, parce qu'il y a quand même pas mal de défense, même si j'ai beaucoup de troupes à pied. Parce que si je recule, je vais perdre trop de points de vie. Non, on va laisser comme ça. Ici, j'ai mes avions qui vont vider cette troupe. Je vais peut-être les... Moi, je vais les envoyer là plutôt, ça sera plus utile. Puisque là-bas, le travail va être fait. Et là, je vais aider mes troupes à pied pour essayer de prendre cette ville. Alors là, moi, c'est un hélicoptère de combat. C'est bon contre les troupes à pied, c'est pas très bon contre les blindés. Si je l'envoie là-bas, je vais tirer sur les blindés, je vais perdre plus de points de vie que je vais en faire, mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller tirer sur ces troupes-là. Ah, il y a 2 et 1. Bon, ça devrait perdre son dernier véhicule blindé. Non, il n'y a pas de troupes à pied non plus, hein, sur les véhicules de reconnaissance, mais là, il y en a 3. Avec mon artillerie qui est juste à côté, ça va faire le ménage. On va tout simplement la laisser se reposer. On va laisser les hélicoptères au port d'attache. Pas besoin d'aller prendre des risques. Jour 51, 7h du matin, on avance, on continue. Trondheim, on continue de descendre en Norvège. La Chine, quant à elle, continue d'avancer aussi. Voilà, on va bientôt arriver à Oslo. Ah, ça commence à sentir très très bon pour nous. Maintenant, vous voyez, on est à 2007, donc on n'a encore pas les points pour gagner. Mais on a battu l'alliance qui nous était opposée. Donc maintenant, ça va juste être un problème de temps et de gagner tous les points de province qui nous manquent. Vous voyez, on a ici toute l'Europe à prendre. Alors vous voyez sans doute, il y a le petit logo hein, terminer la partie qui clignote en bas à droite. Terminer la partie, c'est quand il ne reste plus que 5 joueurs actifs en jeu. Et que si tous les joueurs décident de mettre fin à la partie, les positions sont conservées, donc la partie est terminée. Pour l'instant, ça veut dire que tout le monde ne désire pas terminer la partie. Donc on continue. On continue. Ça permet aussi de monter dans le classement. Puisque je rappelle que seuls les trois premiers sont payés. Donc ce serait bien que les trois payés, ça soit les trois de la coalition, c'est-à-dire qu'on retrouve au David Stereo King et donc point AI21. On s'approche, on est maintenant contre les côtes. Jour 51. Apparemment, le Venezuela n'a plus de troupes, plus beaucoup de troupes. Puisqu'il n'a pas l'air ni d'essayer de se sauver, ni d'essayer de contre-attaquer. Les drones de Haut-David montrent qu'il n'y a rien à Bolivar. Il faut affaiblir le Venezuela avant la fin de la partie. Sinon, on ne va pas être dans les trois premiers. Et donc, même si on gagne, ça serait le Venezuela qui récupérerait les récompenses en or. Et le but, c'est qu'on puisse se les partager avec les trois membres restants de l'Alliance, les francophones. Au David arrive dessous avec des hélicoptères. Ici, j'ai mon bataillon blindé. Donc là, je vide, je prends et je vide. Je ne prends même pas les troupes, puisque vous savez qu'il faut des troupes à pied pour pouvoir récupérer les. Donc là,
on va envoyer une partie de notre infanterie. On va en laisser une pour l'instant. Voilà, on va venir par là. Et on va récupérer les territoires. Parce que vous savez que eh bien maintenant, il faut des infanteries pour prendre les provinces. Et nous allons donc avancer tranquillement. En suivant le chemin, on ne peut pas aller trop vite, puisque comme on est dans les montagnes, vous voyez, dès qu'on va trop loin, le jeu prend automatiquement la distance la plus courte et nous fait sortir de notre territoire. On va donc venir ici, retrouver nos troupes. Jour 52, encore une ville qui a été prise, et on va continuer de descendre et de finir les pays scandinaves. Donc là maintenant on peut se partager quand même, vous voyez, à Oslo on voit encore des impacts radar, il faut quand même se méfier. Alors bon, ça ne va rien changer sur l'issue de la bataille, puisque on a trop de troupes par rapport à la Norvège, on est trop nombreux, et en plus la Norvège n'a plus beaucoup de villes patries, donc beaucoup de ressources. Mon théâtre de défense qui arrive, défense de théâtre, pardon, qui arrive, on ne sait jamais. Pas de problème particulier. Jour 52, 11h. Et vous voyez, on continue de descendre. Alors là, on est encore dans les montagnes, donc c'est pour ça que c'est long. Et on se rapproche petit à petit de Oslo. Et de l'autre côté, vous voyez, je suis arrivé sur les côtes ici avec mes unités de transport. J'ai vérifié qu'il n'y avait rien dedans avant avec mes avions en allant voir ce qu'il y avait. Il n'y a rien ici ni à Bergen. On va monter au-dessus. La Chine, elle arrive tranquillement, vous voyez les événements, on gagne, on prend les territoires, on détruit. Le jour 53, les 11 heures, on prend le territoire du Venezuela, le gain de terrain marche. Il va falloir revenir ici en Amérique centrale. Et maintenant, on va débarquer et prendre les territoires. Puisque une fois qu'on les a détruits, maintenant, il faut les prendre. Donc là, on va tirer sur, ici, les insurgés. Pas la peine de perdre trop bêtement. Ici, au David, en train de sécuriser. Il va falloir maintenant donc conquérir. Donc sans doute que dans 2-3 jours, le Venezuela n'existera plus, et à ce moment-là, on sera devant au niveau du classement pour donc terminer la partie. Les troupes arrivent de partout. Bon, vous voyez, je fais plus de troupes puisque maintenant il n'y a plus rien. Voilà, je me contente juste de faire des troupes papier. C'est juste ce qui va me manquer pour pouvoir les envoyer après un petit peu partout. Prendre des territoires, mais maintenant c'est terminé. On n'a plus besoin de faire des trucs de haut niveau. Alors on va continuer les troupes papier, ça permettra d'envoyer dans les territoires vides, avancer plus vite en termes de points de victoire. Et je ne suis plus qu'à 43 de production par heure de fuel, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je peux même plus faire, on va quand même faire une vive. Ah, il m'en reste encore 66, pourtant j'en ai tiré, j'avais une très très grosse production de vive. Si jamais on avait une réaction du Venezuela, on pouvait bien évidemment les détruire. Jour 59. La partie terminée, donc vous voyez, il est 1h du matin,
On ne peut plus donner d'ordre, donc on a encore accès à la carte. Nous avons les trois premières places, donc c'est très bien. Stereo King au David, Hyde 21, trois premières places. On a gagné. Bah, écoutez, félicitations à l'ensemble des membres de l'Alliance qui ont participé à cette campagne. Merci à O David, à Stereo King, puisque nous avons bien concerté nos forces jusqu'à la fin de la partie. Une pensée pour Player 314 qui nous a quittés en cours de partie et Asmanovic qui était parti lui beaucoup plus tôt. Merci à tous et à toutes et je vous attends sur l'Alliance Les Francophones. Si jamais vous souhaitez faire une partie avec moi, n'hésitez pas. Des parties abonnées sont en cours à l'heure actuelle et vous aurez les vidéos plus tard. Je vous dis à très bientôt pour la suite et voyez, on a quand même gagné 809 or, ce qui nous permet quand même de pouvoir avoir quelques avantages dans les parties suivantes, notamment en termes de gain de temps, puisque vous savez, ça nous permet de terminer les troupes beaucoup plus vite. Au revoir, à bientôt à tous et à toutes, et bon jeu en attendant. We'll be right back.